J'en vais discrètement. Allô? Ouais, pas mal. Non? Pourquoi? Je sais pas. Ouais. Écoute, on verra. Pas grand-chose. Oh non, arrête, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder par la fenêtre. Oh, on sonne! Qui ça peut bien être? Bonjour. Ah, oh, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, bien. J'étais à côté. Ah oh ben, c'est sympa. Alors? Ben écoute. Tu n'as pas eu de coup de fil ces jours-ci? Si, j'en ai eu un il y a 5 minutes. C'était un ami qui m'appelait. Il m'a dit des choses incroyables. Ah bon? Quoi? Ah oui. Tu peux pas imaginer. Des trucs comme, enfin, t'imagines ce qu'il a pu me raconter? Ça alors? Et alors après, c'était... Oh, enfin, c'était incroyable. Ça, par exemple, il y a un passe... J'attends personne. Ah bon? Non. On ressonne, en tout cas. Je vais voir qui c'est. D'accord. Oh! Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds pas au téléphone. Je suis son papa. Ah! Merci. Alors moi, ça fait une heure que je t'attends, que je disais justement à Daniel que oh, mon père n'est pas encore là, etc. Et tu te pointes maintenant. Ben bonjour, merci. Alors, et puis je voudrais bien... Moi, bonjour, je suis... Arrêtez de vous disputer, hein. Non, mais c'est vrai, vous vous disputez tout le temps. Ben, vous connaissez depuis longtemps. Mais... Comment vous appelez? Daniel. Mais tu m'as jamais parlé de Daniel, ta mère va être contente. Mais qui c'est Daniel? Oh, regarde, il y a Paris dehors, mon magasin de lingerie au sous-sol, regarde. Oui, c'est bien, mais Daniel, vous faites quoi dans la vie? Mais je croyais qu'elle vous en avait parlé. Qu'est-ce qu'il fait, Daniel, dans la vie? Ça suffit, puis... Qu'est-ce? Il y avait quelque chose, là? Où est-ce que vous l'avez mis? Il y a ta mère qui m'appelle. Allô? Mais tu peux pas sonner comme tout le monde. C'est drôle qu'il faut que je pense à tout. Elle appuie sur le téléphone, elle sonne pas. On nous avait coupé. Attends, on nous avait coupé. Oui, elle est là avec un garçon qui s'appelle Daniel, qui est très beau. Blond, avec des grands yeux bleus. Qui est un polytechnique. Hein, ma chérie? Vous allez l'épouser quand? Parce qu'il faut régulariser la situation. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il y avait quelque chose là. Vous savez très bien ce que c'était. Et ça a disparu. Mais ça alors ne peut pas être moi, je... Mais là, il a une petite bosse là dans sa poche. C'est peut-être lui qui l'a pris, non? Vous savez très bien de quoi je parle. Mais tu sais très bien papa, que... toi aussi. Mais... Tu as toujours su mentir quand t'étais petite, elle a le nez qui remue. On sonne encore, je n'attends personne. Mais... Allô? Allô, c'est le téléphone qui sonne et en plus, quelqu'un sonne à la porte. Ça fait 2 sonneries. Vous ne quittez pas, je vais voir à la porte qui sonne. Je vais le prendre en attendant. D'accord. Ne quittez pas. Personne n'a vu ma balle en basket. Il n'est pas là, je suppose. À tout à l'heure. Alors, quel dommage. C'est mon beau-frère. Dites donc. Ah, vous m'en direz tant. À tout dites à l'heure. Dites donc, qu'est-ce que tu as fait de cette chose qui était là tout à l'heure? Tu sais très bien de quoi je parle. Paul Grenimont, je suis étranger à cette affaire. Oui, mais il y avait quelque chose ici. Tous les deux sont des petits cachotiers, ne je vais vous apaiser, Valérie. Je dirais, tant c'est mérité, d'Écosse jusqu'en Algérie, la plus charmante est Valérie que l'on applaudit. Mais non! Il me semble que dans cette série, je ne m'appelle pas Valérie et que vous n'êtes pas Maître Capello. Mais et que vous n'êtes pas non plus vous... Alain Chabat. Non, je suis Daniel. J'ai vu quelqu'un qui a passé la tête mais qui n'a pas sonné. Mais je reviens à la réalité, car il y a aussi, je crois... Je vais m'asseoir. ...notre ami. Rappelez-moi son vrai prénom. Il s'appelle Jacques, c'est mon papa. D'accord, mais j'ai besoin d'une autre rime. Jacques le fataliste. Ah, je ne suis pas d'accord, j'ai mis Jean-Claude. On frappe, Valérie chérie, on frappe. Oui, allez ouvrir. Je me lève un petit peu.
voulais moi, juste vous dire que ça fatigué. Fait pile 5 minutes que vous improvisez sur ce décor et je voudrais vraiment qu'on vous applaudisse très 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 fort.